Peggy 18. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et aujourd'hui, dans Autour d'un jeu, nous allons tester Shank. Et une fois n'est pas coutume, nous allons faire quelque chose que je n'ai pas beaucoup vu encore. Mais nous allons tester un jeu en 3D stéréoscopique. Et oui, vu que je possède un écran 3D passif, en fait, je peux faire un enregistrement 3D et ensuite, en post-prod, le créer en 3D pour le mettre en 3D sur YouTube. Donc tous ceux qui ont un écran 3D, d'ailleurs qu'ils soient actifs ou passifs, pourront regarder ce test en 3D. Et donc je me suis dit que c'était une petite différence qui pourrait être sympathique, et c'est surtout un test pour un de mes prochains projets, qui va un peu ressembler à la V-Ville, mais je n'en dis pas beaucoup plus en ce moment, à part que effectivement ce sera un projet que je vais réaliser en 3D stéréoscopique tout au long du test. Donc ce test aujourd'hui sur Shank me permet de tester toute la chaîne de production en fait 3D stéréoscopique de mon côté, de l'acquisition du jeu en 3D avec Fraps, à la production 3D au niveau de la post-prod du jeu, et le réglage 3D au niveau de YouTube, étant donné que j'ai vu, enfin je vous raconte un peu ma vie pendant l'intro du jeu, hein. J'ai vu que je ne pouvais pas uploader en 3D ligne entrelacée sur YouTube, donc c'est comme je l'acquiers, ce qui fait qu'au lieu de mon image soit en 1080p, elle est réellement en la moitié moins, donc ça fait 540, puisque j'ai une ligne pour l'œil droit, une ligne pour l'œil gauche, et une paire de lunettes polarisées qui me permettent de séparer ça, un pour chaque œil et voir la 3D. En même temps, je parle de 3D depuis le début, mais toute cette intro est en 2D, où il récupère ses armes, donc un petit couteau, des pistolets, et fatalement une tronçonneuse. Vous allez voir, j'aime beaucoup la tronçonneuse dans le jeu. Allez, l'intro est bientôt finie. Et donc du coup, comme je vous disais, je suis obligé de faire en post-prod une vidéo 3D, mais je ne peux pas la faire en ligne entrelacée, il faut que je la fasse en moitié de largeur. Donc je rentre du 1920 par 1080, mais avec je ne sais plus, je crois qu'il faut que je split au niveau de la hauteur ou de la largeur, enfin je ne sais plus. Je re-regarderai ça au moment où je vais regarder ça. Hop, un petit coup de tronçonneuse pour le finir, un petit coup de tronçonneuse pour son pote, un petit coup de tronçonneuse sur lui. Ah oui, c'est un side scroller, donc j'ai des pistolets. Là, j'ai des pistolets, donc que je peux tirer comme ça, que je peux tirer comme ça, que je peux tirer comme ça. J'ai un petit couteau que je peux utiliser en lui sautant dessus, et une tronçonneuse, parce que hein, on a toujours besoin d'une tronçonneuse quand on tue des ennemis. Et j'ai aussi des petites grenades, mais je vous montrerai ça après. Là, ce que je viens de prendre, c'était pour regagner de la vie. Et donc le jeu est très simple, on fait du side-scroll avec un peu d'histoire qui arrive de temps en temps. Shank is back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Voilà, donc là il vient de me dire que je suis un peu recherché par tous les vilains du coin. J'y vais à gros coups de tronçonneuse. Et à coups de couteau. Et un petit peu de tronçonneuse. Voilà. Un petit coup de tronçonneuse dans la tête. Parce que c'est toujours mieux. Et donc là, de ce que je vous parlais, la 3D stéréo. Si vous avez un écran 3D, vous voyez la profondeur de champ en 3D. Donc le lampadaire là qui me cache présentement maintenant apparaît en premier plan. Le side scroll sur lequel je suis est en second plan. Et il y a deux plans suivants derrière. Donc le plan du lampadaire que je ne peux pas vraiment faire bouger. Ah non, il y a trois plans en fait. Le plan du lampadaire, le plan de la ville qui est un peu coupé d'ailleurs en dessous de mon icône de score. Et un troisième plan plus loin. Donc du coup, c'est plutôt sympathique, là, je dois bien vous dire que la 3D rend plutôt bien. J'en teste quand même pas mal en 3D, j'en ai testé quand même plutôt pas mal avant de faire mon choix, de savoir lequel j'allais vous présenter en 3D. Donc
là, je ne sais pas si vous pouvez noter, mais un petit bug de 3D sur les pylônes de devant. Moi, j'ai un petit problème au niveau de la 3D de ces pylônes-là. Hop, un petit coup de tronçonneuse dans la tête. Alors là, je peux garder et je... Ah, je peux garder et lui foutre un coup de tronçonneuse dans l'entrejambe. Je pense que je vais coller un petit... Je vais me lâcher d'un petit Peggy 16 ou quelque chose comme ça en début de vidéo, plus pour le fun que pour autre chose. Donc oui, je joue en mode normal, hein, où il y a plus de vie à rattraper et où il y a des checkpoints. Aïe. Il va bien envoyer sa balle dans la tête. Pour la peine, je vais lui mettre un coup de tronçonneuse. Ah, c'était pas lui que je disais. Ah, mais arrête! Prends-toi un coup de tronçonneuse, voilà. Éjecte. Hop. Et voilà. On se saute dessus. Un petit coup de tronçonneuse. Ah, j'ai oublié de barrer encore une fois. Voilà. Miguel en a pris pour son grade. J'étais moins mauvais quand j'ai essayé tout à l'heure. Déjà, on reprend un peu de vie. Déjà, on tue les potes. On tue le procès. On boit la petite boisson énergisante, le petit soda. Et on avance dans l'ombre. Et ça, c'est classe. Bon, Flex en prend pour son grade. Alors, Mano, on va le tronçonner un petit peu. C'était Mano que je le disais en faisant ça. Voilà. Voilà. Donc là déjà on va finir Flex. On va boire la petite boisson. On saute sur la tête du pote. On le tronçonne un petit peu. Vous voyez le genre de gameplay. Et je dois vous dire que j'y joue à la souris. Je n'ai pas testé de jouer au... j'y joue à la souris, je raconte n'importe quoi, ça y est. J'y joue au pad, je n'ai... Ah, quelque chose à ramasser. Donc j'ai des... Ah bah je ne vous ai pas montré les grenades, je vais vous montrer les grenades au prochain pack. Alors, jump and run. Et ça c'est juste la classe, le wall run. Alors la grenade, c'est ça, et c'est cool. Parce que ça fait grave mal. Un petit coup de tronçonneuse, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit coup de tronçonneuse. Hein. Si vous avez manqué sur Rocky. Voilà. Et donc je ne sais plus ce que je racontais en fait. Je devais parler quelque chose sur les side-scrollers. Ah oui, c'est vrai, je vous parlais des... Je tue Franco et je vous reparle. Voilà. Je vous parlais des side-scrollers que je joue quasiment... exclusivement au pad, donc je ne sais pas si ça s'entend. Je ne sais pas si ça s'entend au niveau du captage micro. J'étais obligé d'un petit peu déplacer mon système audio vu que j'ai un peu refait mon bureau il n'y a pas longtemps. Toi, là, tu m'énerves. Hop. Et donc, du coup, j'étais un peu obligé de déplacer. Ah, j'aurais dû garder. Voilà, je vais balancer son bol sur le coin de la tronche. On voit un petit peu. Des side-scrollers, j'ai majoritairement tendance à les jouer à la souris. Ça y est, je redis n'importe quoi. J'ai majoritairement tendance à les jouer au pad. Parce que je trouve que l'expérience de jeu est bien meilleure. J'ai beaucoup de mal à jouer ce type de jeu à la souris et au clavier. Terry va crever, voilà. Et donc du coup, je vous conseille, si vous avez chance et que vous avez un pad donc soit comme le mien qui ressemble plus à un pad de PlayStation que de Xbox, c'est vraiment très intéressant avec un pad. Donc là, ça y est, j'ai trouvé sûrement le premier méchant. On va le tabasser et on finira l'épisode là-dessus. Aïe, ça je pense que c'était pas forcément une bonne idée.
faire. Ça, je ne peux pas. Alors, il faut que je pince. Un petit coup de tronçonneuse. Parce que la tronçonneuse, comme tout le monde sait, c'est toujours super bien. Ça, c'était pas bon. Non, ça, c'était pas bon non plus. Ah, ça, il faut que je pince. Et un petit coup de tronçonneuse, parce que la tronçonneuse, moi, j'aime bien ça. La tronçonneuse dans les vertèbres. C'était pas ce que je voulais faire, encore une fois. Je voulais courir de ce côté-ci. Je me tiens un petit peu dans le coin du pif. Alors, on pince. Et je l'ai lamentablement raté. C'était pas ce que je voulais faire non plus. Je pense que je vais... Ah là là, merci, tu m'as éjecté du bon côté. Je vais boire un petit peu. Alors, on pince. Et un coup de tronçonneuse. Et voilà. Ah oui, je lui ai tronçonné la tête. C'est original comme principe pour terminer. Et donc voilà. C'est pas le bon tatouage. J'ai tué le mauvais. Mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je vais lui recoller la tête? Non, je regarde juste que c'est pas la bonne tête. Ah, je me suis trompé, j'ai tué le mauvais. Et c'est pas cool. Et voilà, j'ai fini la première partie. Donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a changé un petit peu d'avoir de la... Un test en 3D pour ceux qui ont la possibilité de le voir en 3D, pour les autres, je suis désolé, mais YouTube étant bien fait, vous pouvez le regarder sans aucun problème en 2D. Et donc c'était autour d'un jeu sur Shank, en 3D stéréoscopique, et à bientôt pour un nouvel épisode.